Cette œuvre de l'artiste britannique David Nash est un trompe-l'œil de 750 kg. Un trompe-l'œil parce que cela ressemble à du bois calciné de 750 kg, car il s'agit en fait de bronze. Depuis toujours, le sculpteur joue de manière facétieuse avec l'idée de l'art dans la nature. Et c'est au Jardin des Plantes que doit être présenté ce simili charbon de bois durant la Foire internationale d'art contemporain de Paris, la FIAC. Mais ça veut dire quoi, me direz-vous? Nicolas Hulot tenterait de répondre en disant « la nature dit toujours quelque chose ». Et moi, j'ajouterais que, par voie de conséquence, l'art qui imite la nature aussi. Tâchez d'y penser.